السلام عليكم. نأتي لتصحيح التمرين رقم 7 صفحة 93 للمستوى الخامس ابتدائي مرجع النجاح في الرياضيات، درس الأعداد الكسرية الضرب والقسمة، تمرين باللغة الفرنسية. لدينا هنا علبتين من البطاريات، علبة فيها 4 بطاريات، وهنا علبة فيها 6 بطاريات. العلبة من نوع A بثمن 7 دراهم، والعلبة من نوع B ب13 درهما. السؤال التمرين: ما هو النوع الأرخص في هذا النوعين من البطاريات؟ Alors l'exercice en français, on a 2 paquets de batteries. Alors le premier paquet type A a 4 piles dedans, et le deuxième paquet de type B il a 6 piles avec 13 dirhams de prix. Alors il nous a demandé quel type de batterie est le moins cher. Notre entraînement, l'exercice comme vous le voyez sur la page du livre, la page 93 et l'exercice numéro 7. Alors, là, on va faire la comparaison entre les prix des piles là, de chaque pile. Alors, j'écris là, je fais la comparaison. Entre, regardez, 13 sur 6 et 7 sur 4. Alors là, j'ai 7 sur 4 et le dirham, c'est le prix d'une pile dans le type A, et 13 sur 6 est le prix d'une pile dans les batteries de type B. Mais pour faire la comparaison, je dois mettre les deux nombres au même dénominateur. Alors j'ai là 13 sur 6 est égal. Je vois là que le plus petit multiple commun entre 6 et 4 est égal à 12, parce qu'ils ont 2 comme le plus grand diviseur commun. Je divise 6 par 2, j'obtiens 3. Alors ce 3-là, je le multiplie par 4 et j'obtiens 12. Donc je dois mettre les dénominateurs à la valeur 12. 12. Qu'est-ce que j'ai fait pour 6 pour qu'il devienne 12? Je l'ai multiplié par 2. Donc, je vais multiplier le numérateur par 2. J'obtiens 26. Aussi, 7 sur 4. Je vais mettre aussi le dénominateur de valeur 12. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour 4 pour qu'il devienne 12? Je l'ai multiplié par 3. Donc, je multiplie le numérateur par 3, j'obtiens 21. Alors, là, j'essaie de faire la comparaison entre les deux nombres. J'ai 26 sur 12 est plus grand que 21 sur 12. Parce qu'elles ont le même dénominateur, alors le plus grand, c'est celui qui a le plus grand numérateur. Alors, j'ai là, donc, j'ai 13 sur 6 et plus grand que 7 sur 4.
Alors, les batteries les moins chères, le type le moins cher, c'est le type A. Et j'écris là, le type de batterie. Le moins cher. Et de type A. Et les batteries de type A. Alors, là, si j'achète deux paquets du type B, je vais payer 26 dirhams. Et j'obtiens 12 piles de type, donc fois 2 est égal à 26 dirhams. Mais si j'achète là 3 paquets, j'obtiens 12 piles avec 21 dirhams. Ah, donc c'est mieux d'acheter 3 paquets dans le type A avec 21 dirhams que d'acheter deux paquets de type B avec 26 dirhams. Et comme ça, j'arrive à la fin à la résolution de cet exercice, mais je vais expliquer en arabe. لدينا هنا تمرين باللغة الفرنسية. أعطيت لنا علبتين من البطاريات. العلبة من نوع بي تتكون من 6 بطاريات، والعلبة علبة من نوع أ تتكون من 4 بطاريات. العلبة من نوع أ ثمنها 7 دراهم، والعلبة من نوع بي ثمنها 13 درهم. السؤال: ما هو النوع الأرخص في هذه الأنواع من البطاريات؟ إذا سأقوم بمقارنة العددين 13 على 6 و 7 على 4. 13 على 6 درهم هو ثمن بطارية واحدة في النوع B، و 7 على 4 هو ثمن بطارية واحدة من النوع A. إذا قبل لكي أقارن بين هذين العددين، يجب أن أوحد مقاماهما. إذا فأجد 13 على 6 يساوي 26 على 12، و7 على 4 يساوي 21 على 12، لأن المضاعف المشترك الأصغر بين 6 و4 هو 12. إذا ولهما قاسم مشترك أكبر هو 2. إذا سأقسم 6 على 2 وأحصل على 3، وأضرب 3 في 4 وأحصل على 12، أو أقسم 4 على 2 وأحصل على 2 وأضربها في 6 وتعطيني 12، وأوحد المقام على 12. هكذا حصلت على 26 على 12 و21 على 12، ولدي بين 26 على 12 أكبر من 21 على 12، إذا لدي 13 على 6 أكبر من 7 على 4. والنوع الأرخص من في البطاريات هو النوع A. إذن وحللت التمرين، ونشكركم على متابعتكم، ونتمنى أن تستفيدوا أكثر.